Bonjour, le sujet c'est la pluie. Vous avez vu la vidéo sur le poncho, je vous avais promis de vous parler des vestes de pluie. Donc voilà, on est dans une veste, c'est vraiment un produit très haut de gamme. Et tant qu'à avoir des vestes, il faut mettre le prix qu'il faut parce que c'est du bon matériel. Donc celle-là c'est la Firewall de Rab, on aime bien travailler avec Rab. C'est vraiment des beaux, beaux et bons produits, des grands spécialistes de l'expédition. Alors, de suite, on est de suite dans la gamme des 250 euros. Hein. Mais 250 euros, on va faire le chemin, mais en même temps, je ne suis pas très mannequin. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on utilise absolument tout le temps. Donc, Madi du Camino, quand il fait ses expéditions en hiver, eh ben, il est équipé avec ça. Mais en fin de compte, au quotidien, c'est aussi un investissement au quotidien. Donc, cette veste, elle a la particularité. Donc, c'est une veste de pluie, elle est en trois couches. Vous connaissez le Gore-Tex. Ici, chez Rab, ils ont leur propre membrane. C'est du Pertex Shield. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est réellement imperméable. Et respirant. L'imperméabilité, on la mesure en Schmerber. Schmerber, c'était Monsieur Schmerber, Charles-Édouard de son prénom, de ses prénoms, qui était un industriel aux alentours des années 1900, je pense, qui a établi cette mesure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on mesure la colonne d'eau qui est. Si on met la membrane, la colonne d'eau qui est nécessaire au-dessus pour que l'eau traverse. Donc en fin de compte, un Schmerber c'est 1 mm. Ces vestes-là sont à 20 000 Schmerber. Ça veut dire que, elles vont commencer à faire passer de l'eau si on y met 20 mètres d'eau au-dessus. C'est de l'efficace, c'est vraiment de l'efficace. Et donc, si on est en veste de pluie, il faut vraiment prendre ce dont on a besoin. Donc, trois couches. En termes de poids, c'est 517 grammes. Voilà. Et donc, en dehors de l'aspect technique, ces vestes, elles ont, bon, voilà, on a les poignets qui peuvent se mettre. On a, je vous montre, Philippe va nous montrer. C'est vraiment de l'efficace. Toutes les fermetures éclair sont vraiment de l'efficace. Et petite particularité sur cette veste, c'est ça. Et ça, c'est vraiment très agréable. Vraiment très très agréable d'un côté comme de l'autre, quoi. Voilà, c'est vraiment de la veste super, super équipée. Autre chose dans ce type de matériel, c'est la capuche. Parce que la capuche, moi j'aime bien, notamment pour la pluie, ce sont les chapeaux. On fera une vidéo spéciale pour ce chapeau. C'est le meilleur chapeau du monde. Je ne vous en dis pas plus, on verra après. C'est que sur ces vestes, les capuches sont faites pour justement aussi pouvoir mettre un chapeau. Voilà. Et vous pouvez. Oh, pardon, vous pouvez affronter la pluie sans problème. Et le froid, si vous avez la doudoune derrière, c'est vraiment du matos de première. Voilà, la veste Rab Firewall. Bonne continuation à tous.